Hey, c'est tout le monde, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de vos bases. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la faction Nightmare. Je suis en compagnie de It's the Pink. Ouais, salut. Donc, il va nous présenter la base et je vais poser des questions et tout. Donc, voilà. Hop. Donc, déjà pour commencer, ça fait combien de temps que tu joues Build Battle? Je joue depuis la V2. La V2, pas Ultimate, hein, la V2. T'as fait quoi comme faction? LSV, Paradise, Prestige, The Cure of Battle, bah, Nightmare, Eternity, Bad Cab, New Region. Et plein d'autres. Et quelle est ta meilleure faction que j'ai fait? Je pense que c'était la Paradise. Et pourquoi avoir changé autant de factions? Bah tout ça parce que j'ai beaucoup d'inactivité et puis j'ai beaucoup de potes dans plusieurs factions donc j'ai dû départager et souvent j'ai eu plusieurs factions, j'ai rejoint d'autres puis... ça va, tu te plais à cette faction? Bon, on était cool, on est actif, on a à peu près 5-6 par jour de quoi à chaque fois, donc il y a beaucoup de PvP, beaucoup de pillage et c'est encore. Et est-ce qu'il y a des problèmes de trahison ou quoi? Il n'y a jamais eu de problème comme ça, vous avez tout ce entre vous? Ouais, bah en fait ce qu'on avait fait, on avait des chambres de base. Et puis en fait comme tout le monde a le MDP, tout le monde, enfin on est tous potes quoi, vraiment. Bah du coup ce qu'on a fait, on a regroupé toutes nos chambres. Du coup on est vraiment vraiment bien genre. Ouais, et vous avez chacun un étage en fait si je vois? Non bah du coup non, en gros il y a deux chambres en bas où il y a toutes les potions, parce qu'en gros on avait plus de 300 décès de heal et puis l'extase ont pété nos machines à potes. Du coup on en a perdu un peu et on a dû faire deux chambres pour stocker les potes, on avait vraiment trop de potions. Et sinon on a une chambre commune. Bah si tu veux je joue aux potions, tu peux pas. Attends, mais c'est tout en bas c'est ça? Ouais c'est tout en bas. Ouais mais je suis en train de descendre avec un stylé. Bah là j'y suis. Ouais. Mais c'est en la bedrock hein. Et vous avez combien de couches? Dans la la machine à poids, on a deux, je crois, des couches. Deux couches de métier. Mais dans la skybase, on a une dizaine de couches. Ouais. Et pourquoi autant de couches? Pourquoi autant de... Vous avez, peur de vous avez peur de vous faire péter ou... Ouais, parce que comme maintenant il y a les creepers, bah, en gros c'est plus facile de péter, en plus on a une skybase. Donc ils ont juste eu ce bug en gros jusqu'à la dernière couche, puis après ils pètent au creeper et toute la base pète. Et vous allez souvent PP et ASO? Ouais, bah on a pété dans MyFan ASO avec ça il y a 3 jours. Et puis il y avait eu le problème des enclumes qui étaient en chambre, donc on a récupéré. Et la question aussi, combien avez-vous gagné de F2V pour cette version? Bah oui, seul. Juste aujourd'hui en fait. On avait gagné avec la New Legend, mais c'était pas cette version. Et puis aujourd'hui on a pété cette version à 11, je crois, on l'a gagné. Oui, d'accord. Et pourquoi vous avez mis comme beaucoup d'eau? Ça vous a pris combien de temps? Ouais, c'est pas moi, c'est déjà fait quand je fais. Mais ça a dû prendre du temps. Ouais, je pense. Mais pourquoi mettre autant d'eau? Justement, c'est à cause des creepers, mais pourquoi mettre autant d'eau alors qu'il manque un côté? Non, ça passe pas parce qu'il y a du côté où c'est Warzone. Non. Du coup, on va pas péter. Et les trois autres côtés, en fait, c'est pour ralentir les canons TNT souvent. Oh mais en fait vous êtes juste à côté de la Warzone en fait. Non on est collé. Ah, il y a un problème par contre, c'était pas prévu d'avoir ça pour la version Ultimate. Bon. C'est pas grave, maintenant c'est trop tard. Ouais du coup Pourquoi avoir rejoint cette faction et pas une autre? Parce que j'ai beaucoup de potes comme Kingsy, qui joue l'impact. Et puis j'ai rejoint une faction et puis soit c'était les MDEC, soit c'était Nightmare. Et Kingsy m'a proposé de rejoindre, du coup j'ai rejoint. Ouais, et tu les connais depuis longtemps, Kingsy et tout? Bah, Kingsy, ça fait 5 versions que je joue avec lui. Guigui, Poisson, Maxime, Barba, c'est au moins un an que j'ai connu. Azubu, un peu plus. Et puis après, bah, j'apprends à connaître de nouveaux gens, c'est sympa. Voilà, tu veux te présenter la base?
Bah, je suis en train de la spec donc. La carte? Mais en haut, c'est quoi en fait? En haut, c'est chacun. C'est chacun. Non, C'est regarde, des c'est tout chambres à moi. partagées. C'est tout à moi. Je reste en maniche. Attends. Oh merde, je me suis trompé de joueur. Hop. Voilà. Mais en gros, là, c'est l'étage à pote. Ouais. C'est tout full, spec si tu veux. Ouais, je vois. Ensuite, là, c'est les coffres à merde. Mais on avait plus de place pour le P4, du coup, on a dû en rajouter. Ouais. Et dernier étage en haut, c'est vraiment tout. Ah ouais. Donc c'est commun, c'est pas chacun. Ouais, c'est comment, c'est comment. Et ici, par exemple, je vois qu'il y a. C'est qui ça? C'est un ultime, je sais pas c'est qui. C'est Maxime. Dark C'est Bird. Maxime. Dark Bird. Ah. Et Ouais, il genre, est au il iPhone. est. C'est sa chambre ou c'est. Non, non, c'est en gros, comme on n'avait plus de place, on a refait les chambres, comme je t'ai dit. Et on a stocké les potions. Ah ouais. En gros, il y a encore genre une vingtaine de potions. Mais vous utilisez pas toutes vos chambres? Ben, normalement, les chambres, il en reste plus qu'une qui va utiliser. On va refaire un truc pour les potions. On a vraiment plus la santé. Genre, on en fait permanent. On les a l'aise. Ouais. Mais je pense qu'on a déjà vite fait le tour de votre base. C'est vrai que du coup, je suis sympa avec la météorite et tout. Bon, les gens qui sont sur la vidéo, vous voyez, la endstone, c'est bien de la météorite. C'est juste que j'ai pas activé mon pack. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. L'usine à potes, tout. Je t'ai posé quand même beaucoup de questions intéressantes. Je pense bien. Je pense bien que ça t'a plu. Oui, très bien. Bon, bah, voilà. Bon, bah, du coup, c'était Stuffman pour la vidéo présentation de vos bases. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Sûrement à vendredi à 6h30 parce que cette vidéo va sortir sûrement mercredi à 6h30. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Stuffman et bisous. Ciao.